We are in Moro, a small village about 20 kilometers from Belberati, the Central African Republic's second city. Today, Sandrine has come to get her six-month-old twins, Ozé and Ozias, vaccinated. Almost 130 toddlers will come to the hut today to get vaccinated for the most common childhood illnesses as part of the catch-up vaccination campaign that MSF is running in the country. Une campagne de rattrapage consiste à avoir pour cible des enfants qui normalement auraient été vaccinés, donc pour ce qui nous concerne, donc c'est jusqu'à l'âge de 5 ans, mais qui n'ont précisément pas été vaccinés et qui les rendent donc vulnérables à toutes ces maladies de l'enfance ou de la petite enfance. Like here in Mambere Kadei, MSF is running this campaign in a large number of regions in the Central African Republic, supporting the Ministry of Health. Around 73,000 children have already been vaccinated against illnesses such as polio, tetanus, diphtheria, whooping cough, hepatitis B, measles, and some forms of pneumonia and meningitis. On vaccine les enfants contre 8 maladies. C'est 4 vaccins, donc 3 injections et un vaccin oral. Donc c'est une grosse campagne où nous faisons 3 tours de vaccination, c'est-à-dire que nous revaccinons les mêmes enfants à 3 reprises pour qu'ils aient un calendrier vaccinal complet. Before launching this campaign in Berberati, MSF carried out a survey on vaccination coverage, which revealed that less than 15% of children had been fully vaccinated. Avant la crise, le contexte n'était déjà pas bon en RCA, et cette situation donc qui était déjà mauvaise a bien évidemment été aggravée par le conflit armé. Et il y a des régions où il n'y a absolument eu aucune vaccination depuis 2 à 3 ans. Significant human and logistical resources are required for such an operation. Every morning, almost 370 people, including 16 medical teams, make their way to the different vaccination sites, either by car or, for the least accessible villages, by motorbike. La Mambere Kadei est composée de plein de petits villages où parfois il y a 5 enfants, parfois 100, et qui ne se déplacent pas à plus de 2 km. Donc nous avons été obligés de faire énormément de sites, 560 sites. Donc là, on fait vraiment une vaccination de proximité auprès de chaque village. Raising awareness has been key to making this campaign a success. Every day, teams go from door to door to raise public awareness and explain the importance of getting vaccinated, possible side effects for children, and how to mitigate these with the paracetamol distributed at each site. At markets or outside churches, troops of comedians put on plays with the aim of spreading the message further and presenting vaccination in a fun and non-threatening way. Une pièce de théâtre, c'est l'image de ce qui se passe réellement dans les foyers. Ça intéresse plus d'une personne qui sont intéressées à poser des questions pour comprendre ce qui se passe réellement. Berberati has been peaceful for almost a year, which has enabled the teams to administer the vaccines both in the city and its suburbs. Dans d'autres zones, les actions de MSF sont confrontées au problème de l'insécurité. Et nos équipes ne peuvent pas se déplacer de façon libre sur tous les axes. Et donc clairement, notre espace humanitaire, notre espace d'intervention, notre action vis-à-vis de la population se trouve elle aussi limitée. After 5 days of administering vaccines in Berberati and its suburbs, an estimated 80% of the children there have been vaccinated, which is roughly 14,000 boys and girls. Ozé and Ozias head home but will be back in a month's time for their boosters, so they will be protected for many years to come.